Tu peux acclamer pour Jésus, tu peux acclamer pour Jésus. Il est merveilleux. Ici qu'à pour aider Yesu à bonga la bovanda. Ici qu'à pour aider à s'engager la bovanda. Ici qu'à pour aider s'engager à te tomber la yé. Ici qu'à pour aider à son ankembo, à son ankembo, à son ankembo. La basanda, la basede, la basanda. À son ankembo. Tu es merveilleux. Merci Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur méritée, Jésus. La basse la babade. Sois élevé au éternel et Dieu. Oui, tu mérites d'être élevé, Jésus. Tout est levant ce soir, car tu es la seule qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. La babo, samba rebosada. Alléluia. C'est ce que le psalmiste dit. Louez l'éternel, je louerai l'éternel de mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, les œuvres de l'éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre est de vaste splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné la nourriture à ceux qui les craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Laisse-moi te dire ce soir, l'Éternel va se souvenir de ton alliance. L'alliance qu'il a fait avec toi ce soir, l'Éternel va se souvenir de ça. L'Éternel va se souvenir de cette alliance qu'il a fait avec toi. L'Éternel va se souvenir de cette alliance qu'il a fait avec toi. Ce soir, ça sera autrement, ça sera autrement. Oui, je te jure, ça sera autrement. Ragabadebo, sambadebo, shaka. Ça sera autrement ce soir. Alléluia, alléluia. Il y a une louange qui monte au fond de mon cœur. Il y a une louange qui prionne depuis ce matin au fond de mon cœur, je me disais. Mais ces louanges, je les chante un peu trop. Pourquoi? Le Seigneur me dit que j'aime quand tu me fais ça, j'aime ça. Le Seigneur me dit j'aime quand tu me fais ça. Alors si le Seigneur me dit qu'il aime ça, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Si je peux le faire aujourd'hui, hier, éternellement, je le ferai. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Je vais vous dire Yahweh. Mon colon n'a pas été. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Est-ce que tu peux t'élever pour chanter avec moi ensemble ces louanges? Merci. Merci. Est-ce que tu peux aussi acclamer Jésus? Alléluia.
na lola kata toli ozali nzambe na nga yawe 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 Moto ya bolingo na yo masia Yesu we Yango na sazoli yo mokonzi ye Yawe 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 Kolo na mbosa izambe Kina mboni kembo na beta kamololo papa Kole kela kama ele ya mbato e Yango na pesi yo lo kumbu Yesu Mosusu lo kola yo wazalite Yawe 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 Bazwanga tanyonso kasi basimba liziba nangai te Yesu yozali mozindo nangai nyonso e bauni nangai atalo Yesu yawe 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 Tanta motore, Mosusu locola, yo azalite. Yawe 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 Sazola mokonzi na lola Nzambe na nga yo bongi na kembo nyonso Yawe 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 Kolo na mbosali zambe Nazana zemia monene nzambe na nga Nazipami na mori momo santu Nalingi na bota masanzoli papa Masanzoli ango kombo na mbo yesu we Yawe 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 Oya bomo inanga na bengi masia Amorganiza mote maranga Kolo tikanga na netora yo ya ya Yawe 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 Kolo na mbosa lizambe Est-ce que tu peux pousser les cris de joie Yo mama, Yesu, mama, Yesu, mama, Yesu, mama, Yesu, mama, Yesu, mama, Yesu, mama,
Oh,
Nazara posa na yo.
Vas-y, monte encore, monte encore, monte encore. Dis-lui ceci. My God. Kumama yawe, kumama na bomo inanga. Kumama yawe, kumama na bomo inanga. Kumama yawe. Saba bobo sabra de sada, kumama ya, kumama na bomo, kumama na bomo inanga. Bakoma kabi sala sala e, bakoma kabi e ma e ma.
remarqué bien comme il y a la présence de Rabashanda Rababoshede. Vas-y, parle-lui. Il est là, il est bien de Molingarae. Manolo Banema lo babolingo. Manolo Banema lo babolingo. Et Kabibo Samare da Shada. Eh bon Sanda, je t'aime Jésus, je t'aime. Je t'aime Jésus, je t'aime. Je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi, Abba. Abba, je suis amoureux de toi. La rotika te ko lukayo, lukayo. La rotika te ko lukayo. La rotika te ko lukayo. Abba, Abba, Abba ya motema. La rotika te ko lukayo. La rotika te ko lukayo, Abba. La rotika te ko lukayo. Kayo e mana ko tikate kotambola samote mana kolande yo e mana ko le mate mabume me dinama hina e basande rebosha. Vas-y, dis-lui dans le matin. Ko lukayo, aba ya motema, riga bosanda raba baba boshada. Eh, eh, bosamba de boshada, ribra da sibo sakari baba boshanda raba. Abba papa, Abba papa. Nzembo nzambe, nzembo nzambe. Nzembo nzambe, nzembo motema. Nzembo boye baemela kaka nzambe. Nzembo boye baemela kaka nzambe. Monte encore, tu es là, arrive encore. Dépasse encore, dépasse encore. Nzembo nzambe, nzembo nzambe. Eh, Kabibo, sanderababo. Abba, papa, motema, todi sami na posa na yo. Abba, papa, molimo nanga, ezo ganga, koluka yo. Vas-y, monte. Abba koluka yo, na kutika ti, bola na yo, abba na yo, na kulemba te, tina bomoi na ma, abba koluka yo. Il est là ce soir, ton père est là, ton père est là. Mais il prend des sada bakale bobo. Ripra de saya. Migolo soyama de bobo sada babo. Rika mabo sada makale bo. Il est là ce soir, il est là. Il prend des sababo sada baba bo sada. Eh, osada. Eh, kamabo sada kale bobo. Ripra de sada bosa. Pourquoi je t'appelle Abba?
Je sais pourquoi je t'appelle Père. Si toi tu n'as pas la raison de l'appeler Père, mais moi je sais pourquoi je l'appelle Père. Regarde, ceux qui appellent Abba, ce sont les vrais fils. Ce sont les gens qui comprennent que vraiment c'est mon Père. Moi je comprends que tu es mon Père. Tu me l'avais promis. Quand je t'avais dit Seigneur, je suis grandi sans parents. N'aimé bolingo, papa pèse, n'est pas mon attaque. Tu m'avais dit que Gustave t'inquiète, je serai avec toi, je serai ton père. Je vais t'enseigner comment aimer, comment donner de l'affection. Comment t'aimer. C'est sous tes pieds d'amour, Seigneur, que je m'abandonne. Narokila na makolo na yo. Narokila, narokila, narokila. Seigneur, regarde na boy bilei po na yo. Na boy viwa na po na yo. Na kili na ngadion so po na yo, yes, po na yo, yes. Na boy mokili po na yo, yes. Na kila mokili po na yo. Na teguta mokili po na yo. Nakokila na makolo na yo. Nakokila na makolo. Nakokila na makolo na yo. 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 Quand je me sens au pied du mur, yo. Nakokila na makolo na yo. Ceux qui n'ont rien. Nzamba vinanga naluka nzambo yo naluka nzamba vinanga naluka nzambo yo naluka nzamba vinanga naluka nzambo yo. Vas-y mon, parle lui. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Mon cœur les confirme. Au fond de moi, les dit que Nazayayo, Nazayayo, je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, je t'appartiens. Oui, je les sens au fond de moi. Mon intérieur les confirme. Je t'appartiens, Jésus. Nazayayo. 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 Clairement.
Je vais chanter avec vous. Nazaya yo. Nazaya yo. Na monte mana yepi. Je les sens au plus profond de moi. Hey, yeah. Abba Nazaya yo. Nazaloko la polo nazila na boloko na yemango Nazaloko la Joseph na prison na yemango Nazaya yo oh yeah Nazaya yo Vas-y monte seulement avec le piano, monte. Zibra de Shada. Voilà, nous sommes toujours dans notre texte de base. Tozakaka na matangi na biso amoboko. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 16 à 23. Na 1 Samuel chapitre 15 verset 16 qui nous na 23. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Tokoko le banzambe to telemi. Samuel dit à Saoul, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu l'aies exterminé. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est la parole de l'Éternel. Oui, ça c'est notre texte de base. Mais notre c'est que le parole de Christ est l'extrémité de la terre, car ouais, il revient bientôt. Kasi mamal ka mon abiso eza eteli loba nzambe ko mamokil mobimba po azosonga kala mingi te. Et nous sommes appelés à obéir à cette parole. La parole de vérité. La parole qui donne la vie. C'est la parole du Christ. Et nous avons dit le premier jour, lorsqu'on n'obéit pas à la parole du Christ, qui est une parole sacrée, tu es dans la condamnation et Dieu te rejette. Et nous avons vu que Saoul, pour
l'avait dit qu'il avait obéi à la parole de Dieu. Il est parti effectivement combattre les Amalécites. Mais Dieu ne lui a pas dit de prendre comme le roi d'Amalécite. Ou un prisonnier de guerre. Vous savez, toute personne qui change la parole du Christ, qui change la parole du Christ, est ami du diable et ennemi de Dieu. Rappelez-vous dans le jardin d'Eden, Dieu avait donné instruction. Parce que le diable est venu tromper. Et comme la femme avait changé l'instruction que Dieu avait donnée, cette instruction que Dieu avait donnée a amené le péché et la condamnation dans le monde. C'est comme ça que je voudrais te dire. Tu ne peux pas obéir la parole de Dieu en partie. Alléluia. Amen. Il faut obéir la parole de Dieu dans son entièreté. Parce que cette parole est sacrée. Amen. 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 Hier, nous avons dit que il y a la grâce et le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est venu faire la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Christ a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu compléter. C'est comme ça qu'il a résumé les 10 commandements en 2. Seulement. Et ces 2 commandements ne pouvait plus être écrit sur une pierre, mais ça devait être écrit dans le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, Zambalobaki, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur nouveau sur lequel je inscrirai ma parole. Dans les commandements, que les 10 commandements étaient écrits sur une pierre, mais ce que Jésus est venu résumer est écrit dans notre cœur. Et la Bible dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si tu as cette parole écrite dans ton cœur, tu as Dieu en toi, tu as Jésus en toi. C'est comme ça que le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit la voix s'est déchirée en deux, et tout le monde pouvait voir les lieux très saints, et Dieu avait changé d'adresse. Il avait quitté l'arche pour habiter dans le cœur d'homme. C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire, hein, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu lui-même dit, je n'habite pas dans des maisons faites des mains des hommes, j'habite dans le cœur de l'homme. C'est comme ça qu'il a mis la notion d'éternité, la notion d'éternité. Ah, Marielle et à Kovbika, il est éternel. Pourquoi je dis ça? Nous avons une vie courte sur la terre. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu habite en nous, si nous mourons, Dieu habite. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je veux te dire, Dieu n'est pas dans la chair. Il faudra le Saint-Esprit pour que ton esprit soit connecté avec l'Esprit de Dieu, que tu demeures pour toujours. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
La Bible nous recommande de renouveler notre intelligence. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est comme ça que je voudrais te dire ton corps jamais n'obéira à Dieu. Amen. Ton corps ne pourra jamais obéir à Dieu. C'est ton esprit qui doit obéir à Dieu. Et Jésus-Christ lui-même dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je crois que tu es né de nouveau et que tu ne vis plus dans la chair, tu vis en esprit. Raison pour laquelle nous devons toujours être en esprit pour que nous puissions émettre dans les mêmes ondes avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu regardes Dieu dans la chair, si tu regardes Dieu comme une personne, tu ne pourras jamais l'atteindre. Enlève en toi, parce qu'on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, pas dans notre chair, mais dans notre esprit. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ, avant de monter, il dit à ses disciples, vous devez attendre le Saint-Esprit et il va souffler sur eux. D'abord il le bénit et il souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous a créés, nous il avait soufflé pour que nous ayons son image. Amen. Amen. Donc, l'image de Dieu en nous, ce n'est pas la forme de la terre que Dieu a fait, mais c'est le souffle que Dieu a mis en nous. Et c'est ça. C'est comme ça que je vous dis toujours, Dieu s'est donné une mission de rentrer dans son plan original. Alléluia. Amen. Là, j'étais en train de rappeler un peu ce que nous avons dit le premier jour et le deuxième jour, en ajoutant certaines choses que le Saint-Esprit me révèle maintenant. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Kasilelo, notre sous-thème, Mama likamba moke na biso, grand ordre honneur. Ezali etinde à mon aîné. Amen. Oh, je crois que j'ai trop parlé de cette. Nakani c'était na loba qui plutôt na loba que moi ni celui au moins mingi. Bah, je suis obligé de le refaire parce que peut-être il y a d'autres personnes qui n'étaient pas là. Car c'est indiqué comme il n'engana loba ngo po mbatumosus makwa kozana. Pourquoi que la parole du Christ atteint les extrémités de la terre car il revient bientôt. Alors que j'avais encore 12 ans, une nuit pendant que je dormais, j'entends ma mère m'appeler par mon nom. Max, 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 viens voir ce qui se passe ici dehors. Max, Max, yakota la yozo e kalibanda. Je suis sorti. Nabimi. Je vis beaucoup de gens. Namoni batu mingi. Et moi, quand j'étais à l'estrade, et je regardais les gens. Tout le monde avait les mains en l'air, les yeux au ciel, en train de pleurer et d'implorer Dieu. Je suis venu, je suis. C'est la fin du monde. Je suis rentré à la maison. Je me suis mis à genoux. Et à cet âge-là, je ne connaissais qu'une seule prière, la prière de notre Père. Et je vais faire cette prière. Et le Seigneur va me dire, voilà, j'ai écouté ta prière et je t'ai exaucé. Maintenant, va dire à tous ces gens que j'ai exaucé ta prière. Je remonte, mais je reviendrai. Mais avant que je ne revienne, il faudra que ma parole atteigne les quatre coins du monde. Et dis-leur
De la même façon qu'ils vont me voir monter, de la même façon qu'ils me verront revenir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, évidemment, ces songes ou cette mission, c'est dans Matthieu 24, 14. Et puis dans Actes 1, 11. Rappelez-vous, lorsque Jésus voulait être enlevé, il était avec ses disciples. Il donne le dernier message. Il était enlevé. Et les disciples étaient là en train de regarder le ciel. Les anges sont apparus pour leur dire: qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Pourquoi regardez-vous? Il est allé de la même façon que vous le voyez monter, de la même façon qu'il reviendra. C'est comme ça que j'insiste toujours. J'ai toujours insisté que aucune prophétie, prophétie ne peut être conforme à la parole de Dieu. Si tu as un songe que Dieu t'avait appelé et que ça n'a rien à voir avec la parole du Christ, point d'interrogation. Si tu as une vision et que ce n'est pas dans la parole de Dieu, point d'interrogation. C'est comme ça que lorsque quelqu'un vient me relater son songe, avant que je ne réponde, je consulte la Bible, qui est notre miroir tel que nous l'avons dit hier. Et c'est Bible qui me donne la réponse au songe de la personne. Alléluia. Amen. Mais les diables aussi donnent des songes, des prophéties, des visions. Et lorsqu'ils donnent, ils donnent pour te compliquer. Tu as peur et tu n'arrives même pas à comprendre les songes ou la vision. C'est par rapport à ce message de Dieu que vous voyez, nous avons écrit là-bas que la parole du Christ atteint les extrémités de la terre. Et Dieu nous a donné la mission. Dieu lui-même s'était donné la mission dans la Bible. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit, le Seigneur avait dit, les jours que vous ferez ceci ou cela, vous pourrez. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu la mort de sa créature. C'est comme ça qu'il s'était donné lui-même une mission. Premièrement, il a couvert Adam et Ève Yambo a fini kaki Adam unaiwa pour d'un animal. Na poso anyama. Et puis, mais, il les avait fait sortir. Abimisa ki bango na elanga Eden. Alléluia. Amen. Je comprends. Na sosoli. Vous savez pourquoi? Webi pona nini? Dieu est amour. Zamba zabo. Parce que ce jardin était déjà pollué. C'était pollué. Parce que c'est là où il y avait le péché. Et Dieu les a sortis. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Parce que chaque fois qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, il doit te sortir. Il doit te sortir. Et il ne doit pas te laisser là où tu es. Sortir pour faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très souvent, je n'ai jamais refusé sur ça, cela me. La Bible dit. La Bible dit, Bibi et Lobi, il le chassa, n'est-ce pas ça? A Bengala Kibango. N'est-ce pas ça? C'est ça, non? Il chassa le jardin. A Bengala Kibango na ilanga Eden. Amen. Amen. Et il met quoi? Chérubin. Pour les empêcher d'entrer pour aller manger l'arbre. Il avait mis le chérubin. On n'a pas dit que pour qu'il rentre.
On a mis le chérubin vers le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Alléluia. Amen. J'ai dit, nous devons avoir notre intelligence renouvelée. Évidemment, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Moi, je voudrais tout simplement te dire, Dieu avait protégé Adam et Ève. La première des choses, il avait habillé. Et dedans, il les protège du lieu où ils étaient. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne rejette jamais. Ne rejette jamais ses enfants. Et vous allez comprendre dans la suite pourquoi Dieu avait protégé ce que je suis en train de dire. Que chapitre 16, verset 15 à 20 nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront de serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. C'était le dernier message ou la dernière parole du Christ à ses disciples. Parce que la Bible dit, après cette parole, il fut enlevé. Et c'est une parole importante. C'est comme un... Dieu nous a laissé. Que Jésus a laissé. Laissons le message à ceux qui viendront après nous. Dans ce message, nous comprenons une chose, que Dieu nous demande d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Quelque chose qui peut être bonne nouvelle pour le frère ne peut pas aussi être une bonne nouvelle pour papa. Je peux donner un exemple. On annonce au frère, tu as trouvé un travail. C'est une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que ça concerne papa? Non. Alléluia. Amen. Mais la différence avec la bonne nouvelle du Christ, cette bonne nouvelle touche tout le monde parce que tout le monde est concerné. Car la Bible dit, car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais cette bonne nouvelle vient pour te dire aujourd'hui, si tu confesses de ta bouche que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. C'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Mais voilà la particularité. Dieu nous demande d'aller prêcher la bonne nouvelle aux autres. J'ai dit ici qu'une personne peut être utilisée comme matériel. Et si Dieu t'a utilisé comme matériel didactique, et lorsqu'il t'envoie, il ne te laisse pas seul, il te fait accompagner du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi que hier nous avons parlé de la grâce. Je vais vous dire une réalité, une vérité. Alors personne n'est capable d'accomplir la mission de Dieu seul. Impossible. Lorsque une personne est capable, se glorifie pour l'œuvre de Dieu, il n'est pas de Dieu. Vous allez regarder dans la Bible, vous commencerez dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez tous ceux qui ont été appelés, il y avait toujours une résistance. Et les autres, même Christ lui-même, que homme, lorsqu'il est descendu sur la terre, à un moment donné, il a dit, Père, hein, je n'en peux plus. Mais il lui fallait le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais y dire à une personne, ne réfléchissez pas mission que Dieu te donne aujourd'hui. Parce que lui-même va te donner de capacité. Il va te rendre capable. Il va te rendre intouchable. Il va te rendre puissant. Il va te rendre. C'est une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu aime les personnes qui se disent qu'ils sont incapables. Et Dieu les utilise. Il est tout simplement question de dire oui. Et Dieu va te saisir. Et lui-même va marcher avec toi. La Bible dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pourquoi cette précision? Pourquoi? Parce que tel que tu es là, c'est Jésus qui parle à ta femme. C'est comme ça que deux fois la Bible nous dit que lorsque nous prions, ne multiplions pas de vaines paroles. La Bible nous dit nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Là, je ne veux même pas aller là-bas. Parce que là on dit parce que vous voulez satisfaire vos désirs. Ben, ce qui est important, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit qui connaît tes désirs et la volonté de Dieu, il suffit seulement que toi tu acceptes, le Saint-Esprit te prend en charge. Alléluia. Amen. Ne sois pas indépendant. Même dans ton travail séculier, sache-le que si tu appartiens à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te prend en charge. Amen. J'insiste beaucoup sur ça. Moi, je voudrais dire, tout le monde est serviteur, mais tout le monde n'est pas pasteur. Alléluia. Amen. Tu es serviteur en tant qu'un agent de l'État. Tu es serviteur en tant que commerçant. Tu es serviteur en tant qu'enseignant, un entrepreneur, etc. Serviteur. Serviteur de qui? Parce que lorsque Dieu nous a placés sur la terre, il nous a donné la mission de développer la terre. Alléluia. Maintenant, pour réussir dans ce que tu fais, tu dois d'abord travailler pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois te poser la question, si Dieu se retrouve dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Si Dieu veut être glorifié
bien dans ce que toi tu fais. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Écoutez. Yoka. La volonté de Dieu Mokano nanzambe est que tous nous puissions être sauvés. Ezaite biso banso tobikisama. Wanande mokano nzambe. Au sali. Bisono sotozo eteni nango. Car je vous ai dit Pona ebisibino. Le sali est complet. Bobiki eza mobimba. C'est au niveau de l'âme, esprit et corps. Ezana esika elimo molimo pe nzoto. C'est pour satisfaire les besoins terrestres parce nzoto que pona ko sepelisa le corps a besoin de vivre sur la terre. Nzoto za pose bika la mokili. Et le salut kasi permet bobiki lo à ton corps. Ezo pesa nzela na la terre. Quand bien même Atako, corps n'obéit pas à Dieu. Nzoto na yo to saka nzambe te. Mais le fait que tu as le salut donc, la terre avait donné la forme à ses corps. Dieu a tout intérêt que toi tu vives sur cette terre selon le plan qu'il avait tracé pour toi. Alléluia. Amen. La Bible dit Bibi, Dieu créa chacun de nous avec un plan. C'est un plan merveilleux, un plan de bonheur et non de mort. Si nous nous retrouvons en difficulté, c'est vrai. La Bible dit il y aura toujours des indigents. Pourquoi il y aura des indigents? Pour que toi, tu viennes en aide de ces indigents. Alors, moi, en tant qu'enfant de Dieu, comme je considère que la condamnation qui était nôtre, Christ avait déjà pris ça sur la croix, et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, moi, je ne peux pas être un indigent. Mais amen. Moi, je peux être là pour soutenir les indigents. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu as saisi cela? Alléluia. Amen. C'est très important. Oh non, c'est à côté que ma ninga na mokili oyo ase. Non. Surtout les chansons. Na mituni nzambe ba pasa mokili kaka nga minyo. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi-même. Moi, la Bible, c'est mon miroir. Et la Bible me dit il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. La Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit nous sommes co-héritiers du Christ. Alors, moi, j'ai appliqué la parole de Dieu. J'ai confessé dans ma bouche que Jésus est Seigneur. Comment moi je peux être indigent? Je le refuse au nom de Jésus. Que je le refuse aussi pour toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde appartient au courage. Le monde appartient à ceux qui savent dire oui ou non. Là où il faut dire non, c'est non. Là où il faut dire oui, c'est oui. La Bible est pour nous. La Bible est pour nous. Pour nous conduire. Pour nous montrer le chemin. Il y a des choses qui sont dans la Bible. La leçon à tirer est que. Mais faisons ça. N'est-ce pas ça? Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ça? Oui. Des leçons qui sont dans la Bible. Il y a d'autres qui sont là pour nous dire ne faisons pas ça. Il y a d'autres qui sont là pour ouvrir notre intelligence. Parce que tu rates parce que tu ne savais pas.
Moi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Moi, je le déclare au nom de Jésus, tous les démons qui vous dérangent en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de libérer vos cœurs, vos corps, vos corps, vos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je ne fais que déclarer. Ce n'est pas moi. C'est eux. Est-ce que vous croyez que Dieu peut accepter la honte? Il dit ceci. À l'obéir. Là, wana, deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Nous sommes plus que trois ici. Tous ensemble, déclarons, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les démons. Qui menacent ma vie. Je vous donne l'ordre. Je vous donne l'ordre. De quitter ma vie. Et d'aller dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la parole du Christ. Christ. La Bible ne dit pas. Bible est l'obité. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute. Yoka. Prends cette parole maintenant pour. Regarde dans ta vie. Tous ceux qui te dérangent. Ceux que tu trouves que ça ne marche pas. Tu dis, écoutez. Il y a une parole qui dit. Il n'y a plus de condamnation. D'ailleurs, j'ai des témoignages. Bon, elle-même un jour elle va témoigner. Une maman là, elle accouche toujours avec difficulté. Les médecins disent non, bassin, ceci ou cela. Et cette femme, lorsqu'elle est grosse, elle commence à trembler. Et était enceinte. Elle est venue chez maman Sarah. Aïe, pas ça. Maman Sarah. J'ai dit, mais je ne comprends pas cette maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh, ma sœur, c'est non, voilà, non, voilà, voilà. Maman. Je l'appelle. Quoi? Pasteur. Je dis, écoute. Toi là. Yo. Tu n'es plus dans la condamnation. Alléluia. Amen. Je déclare. Tu vas accoucher sans problème. Vas-y. Les jours où elle devait accoucher, le Saint-Esprit me dit, toi ne sors pas maintenant. Assis-toi là. Parce que cette maman-là va accoucher. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est Dieu. C'est une maman de l'église. Je prends maman puis avec témoin. Les médecins, oh non, comme c'est là. J'ai dit, écoute, Yoka, appelle le médecin là. Benga munganga wana. Qu'il rentre là-bas parce que la maman là va accoucher tout de suite. Azonga kuna po maman na kobota sika. Ça n'a pas fait deux minutes, c'était beaucoup. Hein. Elle avait accouché. Abotaki. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. Dieu est Dieu. Nzambe azanzambe. Dieu est Dieu. Nzambe azanzambe. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ezatelo ko na zamu po na zamu. Mais c'est parce que j'ai regardé le miroir. Et j'ai compris que voici ce qu'il est dit. Et moi je mets en pratique. Si Dieu n'exauce pas. C'est pour sa gloire. Esaïe Moko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, considère tout le problème. Si c'est un problème d'emploi, un problème de ceci ou cela. Là, nous sommes encore au niveau de ce qui est terrestre. Parce que Dieu nous a placés sur la terre. Nous devons vivre, n'est-ce pas ça? Nous devons jouir de la création de Dieu. Amen. Alors, tu prends, tu annules l'échec. En considérant cette parole qui dit pour ceux qui sont en Christ,
Et tu appliques, voici les miracles qui accompagneront ceux qui en ont cru. Oui. C'est un miracle. La Bible dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne mourront pas. Écoute, d'ailleurs, c'est clair. J'aime bien le frère Patrice, il dit que c'est un combat en différé. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Commence à déclarer pour toi. Je te laisse quelques minutes. Si tu veux te mettre debout, tu déclares. Moi, je ne voudrais pas voir la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu. Cet honneur revient à notre Dieu. Et c'est lui qui dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui crient. Et il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, tu murmures. Moi, je ne murmure pas, je parle. Je voudrais entendre un bruit. Je voudrais entendre un bruit. Nous pouvons nous lever, lèvons-nous, mettons-nous debout et parlons avec autorité. Avec autorité. Prends l'autorité et tu chasses. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus maintenant et applique le verset. Je n'attends rien. Je voudrais entendre un bruit. Au nom de... Au nom de... Jésus. Mais c'est ce que je voudrais entendre. Esprit méchant, tu m'as dérangé pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai compris la parole du Christ. Tu n'as pas autorité sur moi. Je t'ordonne. Tu prends ta maladie que tu as mis dans mon corps. Tu y vas avec ça dans les lieux arides au nom de Jésus. Ça, crie, commence à prier en criant. Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur, nous te supplions, laisse que le ciel s'ouvre, que tu descendes dans ta gloire, et que le feu descende du ciel, et que le feu descende du ciel, consume, 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 et brûle ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous avons encore quelques 5 minutes. 1 Timothée chapitre 2 verset à 7 dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur. Yango ezamalam. Cela est bon. C'est comme ça, non? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Voilà pourquoi je t'annonce cette vérité. Et cette vérité est dans la parole de Dieu. Si tu fais de ta parole, de la parole de Dieu ta vie, si tu découvres cette vérité, je te dis, tu es sauvé. Bible continue, dit, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ.
homme. Jésus Christ. Vous avez compris pourquoi? Jésus-Christ Jésus-Christ est monté au ciel et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Parce que c'est le seul médiateur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, la Bible tu dis, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est assis à la droite du Père. Amen. Écoute, je suis le Seigneur. Je t'annonce. La bonne nouvelle est que tu n'es plus dans la condamnation. La bonne nouvelle est qu'il y a quelqu'un sur la croix avait dit tout était accompli. Amen. J'essaye d'imaginer un peu ce spectacle comment c'était. Jésus avec la croix. Il marche. Il tombe. Il se relève. Le diable à côté. Je l'ai eu. Mais comme souvent j'ai l'habitude de dire que au lieu de tenir Jésus-Christ sur son poignet, il a tenu Jésus dans le cou de Jésus. Lorsque tu tiens quelqu'un comme ça, s'il fait ça, et c'était l'histoire de Jésus et Satan. C'était comme dans notre stade de martyr. Au centre là, tout le monde est là. Et ils étaient en train de regarder ce spectacle. C'était un spectacle. Satan dans la joie. Et à la dernière minute, 89e minute, restait une seconde. Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, tout est accompli. La Bible dit, il y a eu un tremblement. Le soldat qui était là, réellement, il est le Fils de Dieu. Écoute, je vais te dire, tout ce tremblement-là symbolise le temps difficile que tu as passé. Je le déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a plus de tremblement dans ta vie. Amen. Parce qu'il y avait tremblement ce jour-là. Amen. Il y avait le tremblement ce jour-là. Amen. Et il n'y a plus de tremblement. Car Jésus est sorti vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu te demande seulement. Comme le dit dans Ézéchiel 33, verset 11. Le Ézéchiel 33, 11 de l'Obi. Dis-leur, Lobanabango, je suis vivant, dit le Seigneur. Nazana bomo yelobi kolo. L'Éternel. Yabi kolo bi. Ce que je désire, oh, na lingi. Ce n'est pas que les méchants meurent. Ezate batuna kanzaba kufa. C'est qu'ils changent de conduite. Ezate bongo la lolenga kotambola. Et qu'ils vivent. Pe abika. Revenez. Bozonga. Revenez de votre mauvaise voie. Bozonga. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Écoute, Dieu t'appelle. Il dit, viens. 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 Là où tu es, c'est la mort. Viens. Viens. Même les hommes intelligents, les hommes des sciences, ils ont reconnu que le monde ne s'est pas créé. Et alléluia. Amen. Le monde ne s'est
Et c'est lui qui a créé le monde. C'est celui-là qui t'appelle. Le Dieu créateur. Il veut te régénérer. Il veut te faire rentrer dans ton plan original. Il veut que ce qu'il avait déclaré pour toi s'accomplisse. Voilà pourquoi il te demande, viens. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Écoute. Yoka. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, je vais entrer. Et je vais souper avec toi. Je t'aime. Il t'aime de tout son cœur. Il est amour. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Il y a beaucoup de gens qui passent. Peut-être on t'avait donné l'invitation. Bah, tu dois te poser la question. Pourquoi moi? Pourquoi on t'a donné cette invitation? C'est que l'air a sonné. L'air a sonné pour toi. Peut-être tu es déjà un enfant de Dieu. Tu es chrétien. Tu marches avec Dieu. Mais Dieu te voulait seulement cette vérité. Pour que tu comprennes. Et que tu arrives à te révolter. Alléluia. Amen. Oui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas comme ces enfants-là qui sont encore petits. Qui sont esclaves dans leur propre. Alléluia. Amen. Ma foi. Le Seigneur. L'air a sonné pour toi. Et tout doit changer dans ta vie. Et tu dois devenir une personne nouvelle. Une nouvelle créature. Et de marcher sur le pas de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire que Dieu bénisse cette parole? Pouvons dire que Dieu bénisse cette parole? Que Dieu bénisse cette parole? Que Dieu bénisse cette parole? Que cette parole puisse avoir de la place dans ton cœur? Et que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie? Et que tu sois une nouvelle créature? Un homme né de nouveau, non selon la volonté de tes parents, mais selon la volonté de Dieu, et que dans ton sang, qu'on trouve l'ADN de Jésus-Christ, lorsque tu marches, qu'on voit la lumière du Christ, nous sommes la lumière du monde. Lorsqu'il y a le ténèbre quelque part, notre présence chasse le ténèbre. Je déclare que la lumière de Dieu t'enveloppe. Que la lumière de Dieu t'enveloppe. Que le feu reste allumé sur ta tête. Que le feu reste allumé sur ta tête. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que la gloire de Dieu descende. Nous sommes debout. Nous recevons maintenant la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Ça dépend de la façon dont tu as écouté cette parole. Ça dépend de la façon dont tu as écouté cette parole. Ça dépend de la façon dont tu acceptes cette parole. Ça dépend de la façon dont ton cœur désire. Le ciel s'est ouvert déjà. La gloire de Dieu est là. L'ange de l'Éternel. Et le feu est
allumé. Le feu est en train de descendre du ciel. Notre Dieu s'est manifesté par le feu. Et que le feu nous embrase maintenant. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que le feu de l'Éternel descende du ciel. Soyez connectés. Soyez connectés. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Souffle au Esprit de Dieu. 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 Demande que tu sois rempli d'esprit. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Nous invoquons les cieux. Je transmets l'onction. Seigneur, ce que tu as fait pour moi, tu m'as visité par une forte puissance. Tu m'as visité par une forte chaleur que je n'ai pas pu supporter, Seigneur. Laisse que tu embrasses l'Église par ce feu. Laisse que tu embrasses l'Église par le feu. Que le feu descende du ciel. Rekebebero de Shintarababaudis. Irekebebero. Recevez. Recevez. Soyez dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu veux que tous nous parvenons au salut. Tu veux que tous nous soyons remplis du Saint-Esprit. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parmi les miracles, tu as dit que nous serons les dons du Saint-Esprit. Et nous parlerons en langue, Seigneur. Délie les langues. Délie les langues. Délie les langues. Langues. Que l'Espéro de Tarababa Oresa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le vent souffle. Soyez attentifs, ne soyez pas distraits. Car tu vas être touché par l'Esprit de Dieu. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Il y a une forte chaleur qui monte dans les oreilles, derrière la tête, sur la tête, dans nos mains, nos pieds. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Saint-Esprit,
Nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ta présence. Nous voulons être connectés. Il est là. Une vie transformée. Ne reste pas, ouvre ta bouche et prie. Ne mire pas. Si tu ne parles pas, si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, le Saint-Esprit aussi cherche la connexion. Cherche la connexion. Je ne veux pas vous imposer les mains. Que les cieux agissent. La Bible dit, l'un des ou trois sont réunis à son nom. Il est là, le Saint-Esprit. Toi, cherche une connexion avec le Saint-Esprit. Et que tu ne rentres pas tel que tu es venu. Que quelque chose de nouveau se passe maintenant. Que quelque chose de nouveau se fasse dans ta vie.